Donc yo les gens, j'espère que ça va, en tout cas ça va vraiment pour le mieux. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'équipe de champions la plus, franchement la plus gérable de ce que j'ai fait. Franchement, c'est une équipe de champions qui tue. Franchement, avec ça, vous allez aller très 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 loin. Très compétitif, très défensif, très très offensif et un très très bon milieu de terrain. Donc on commence avec le goal. Jack Butland, qu'on a connu sur FIFA 17 bien sûr, qui nous a cassé les couilles on va dire. Donc franchement, Jack Butland, très très gros joueur. Après, nous avons Zappa Costa. Franchement, je l'ai testé, ça fait plaisir. Il y a de très très bonnes stats pour un joueur qu'on connaît pas plus que ça. Après, nous avons Mamadou Sakho, que j'ai tapé en carte Scrim il y a pas longtemps. Donc, sa note a été élevée, hein, bien sûr. Hein, vous inquiétez pas, sinon normalement, il y a 83 de général. Donc, très très gros joueur. Très bon physique, franchement, il fait le taf. Avec Rudiger à côté, franchement, c'est des monstres. Les deux là, c'est des monstres en niveau défense. Il y a presque rien qui passe. Donc franchement, très très gros joueur. Après, ailier gauche, nous avons Marcos Alonso, très gros joueur, 1m88. Il prend beaucoup de ballons sur la tête pour les corners, pour relancer les corners, etc. Donc c'est un très gros joueur. Après, nous avons Renato Sanchez. Il était plus fort sur FIFA 17, mais franchement, FIFA 18, il fait quand même du lourd. Donc je l'ai mis. Ça fait très longtemps. Fin de 7 matchs, 6 buts, 8 passes D. Donc pour un milieu central, c'est déjà pas mal. Après, nous avons mon petit coup de cœur, Timmy Way. Bakayoko, ben voilà quoi, vous le connaissez tous, je pense, il est tous dans les futurs champions avec Kanté, mais nous n'avons pas encore le budget nécessaire pour acheter Kanté. Donc franchement, Bakayoko, c'est un très très gros joueur. Je l'ai en catalyseur, bien sûr, mais franchement, il fait vraiment le taf, que ça soit vitesse, de toute façon, vous le reconnaissez avec cette petite tête blonde, franchement, il fait le taf. Après, nous avons Ander Herrera que j'ai tapé dans un pack. Franchement, très intéressant. Un bon petit joueur. Il met pas beaucoup de buts. Malheureusement, quand il est devant le but, il met pas beaucoup, beaucoup ses buts. Mais niveau défense, on n'a rien à dire là-dessus. Donc après, on va commencer avec les attaquants. Les attaquants, nous avons Willian Barthes da Silva. Donc lui, très gros joueur. Très bonne vitesse, très bon dribble. La défense, ça paye un peu, mais on s'en fout, c'est un attaquant. Donc franchement, très gros joueur. Après, nous avons le milieu gauche que j'aime bien. J'avais Martial. Je tiens à préciser que j'avais Martial. Franchement, j'ai pas kiffé. Je préfère Mangson. 11 matchs, 7 buts, 8 passes D. Franchement, une tuerie. Une tuerie ce joueur. Franchement, je l'ai tapé dans le premier détenteur. Oui, je dis beaucoup. Franchement, je le sais. Donc, et je l'ai eu en premier détenteur. C'est une tuerie. Et mon coup de cœur, vraiment mon très gros coup de cœur sur la BPL, c'est Olivier Giroud. Vous allez me dire, ouais, mais gros, il n'y a pas de vitesse. On s'en fout. Vous lui donnez la balle, il va te mettre un tir, il est dedans, obligé. Donc 12 matchs, 15 buts, 7 passes D. Donc franchement, un très 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 gros attaquant. Acheté pour 41 000 crédits, il vaut à peu près 40 000 crédits à l'heure d'aujourd'hui aussi. Il est magnifique. Vous savez que dès que vous allez faire un corner, des fois il y a des objectifs quotidiens, vous devez mettre 4 corners pendant une semaine. Avec lui, je les ai mis direct. Il est trop grand, tu le mets au premier poteau, il passe tout de suite. Donc voilà l'équipe les gars. Franchement, avec cette équipe-là, vous pouvez envoyer du très 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 lourd sur Fut Champion. L'équipe, à peu près, elle coûte 100 000 crédits. 100 000 crédits à peu près, ouais. Donc voilà les gars, c'était une petite vidéo pour vous faire découvrir mon équipe pour Fut Champion. Franchement les gars, un gros pouce bleu et c'était très très vrai. Cette équipe-là va casser des culs. Donc moi je vous dis à la prochaine, c'était Suprême. Likez, commentez, tous la famille, et dites-moi en commentaire votre résultat de futur pour l'instant. Salut tout le monde.